ombre qui arrose la terre, dans cette graine qui pousse et qui donne son fruit. Nous voyons tes œuvres merveilleuses. Nous sommes si habitués à voir ces choses que pour finir, ceci nous semble une évidence et que c'est normal et nous appelons ça la nature. Mais cette nature, nous la violons continuellement, nous la détruisons. Et Seigneur, nous voulons tout expliquer sans reconnaître qu'au-dessus de tout cela, il y a une intelligence suprême qui a tout organisé, qui a tout mis en place selon des lois précises. Ô Seigneur, l'orgueil nous aveugle. Nous voulons expliquer des choses inexplicables. Nous voulons dire ce qui a été alors que nous n'avons jamais vu ni connu. Nous déduisons par toutes sortes de recherches incomplètes, limitées. Et nous prétendons des choses qui n'existent pas parce que nous ne voulons pas te reconnaître, toi, le Créateur. Seigneur, la terre est remplie de ta gloire. Aide-nous à ouvrir les yeux et à contempler ta gloire, oui, dans cette belle fleur qui s'épanouit, dont les couleurs ne peuvent être imitées, mais si éphémères. Aide-nous, Seigneur, à être enseignés par cette nature, car nous aussi, nous sommes éphémères et nous passons. Combien de fois nous nous sommes éloignés de toi? Combien de fois nous nous sommes tournés du côté des idoles? Seigneur, et nous ne t'avons pas reconnu. Et au lieu de venir à toi, Seigneur, nous avons cherché des solutions par nous-mêmes, même dans les choses que tu es, dans les choses, Seigneur, qui sont sales. Ô Dieu, ramène-nous dans les voies de l'éternité. Ramène-nous dans les voies de la vérité. Ramène-nous par ta parole à la connaissance de la vraie science, des choses qui se trouvent en toi et en toi seul. Parle-nous, Seigneur, je t'en prie. Éveille notre intelligence. Éveille-nous, Seigneur, à ces choses éternelles. Merci. Dimanche passé, nous avons parlé du peuple d'Israël, de ce peuple qui a oublié son Dieu et les conséquences lorsque une nation, un peuple oublie son Dieu, son Créateur. Nous avons vu quelque peu l'expérience d'Israël. Alors que nous lisons la parole de Dieu, nous voyons combien de fois le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, s'est éloigné de son Dieu. Il avait reçu des révélations extraordinaires. Il était le seul peuple, le seul, à cette époque-là, qui croyait dans un Dieu unique. Ce Dieu unique dans lequel Abraham a cru et auquel Dieu s'est révélé, qui a reçu des promesses merveilleuses. Regarde les étoiles du ciel. Telle sera ta postérité, aussi nombreuse que les grains de sable le long des mers. Peux-tu les compter? Telle sera ta postérité. Mais combien cette postérité a eu de la peine à prendre place? Cette postérité d'Abraham, qui n'est non pas seulement un peuple, une nation qu'on appelle Israël, mais qui sont tous ceux qui ont la foi d'Abraham, la foi dans le Dieu unique, la foi dans le Dieu vrai, le Dieu qui a créé toutes choses. Mais Israël, comme le peuple de Dieu jusqu'à aujourd'hui, s'est attaché combien de fois à de faux dieux, à des idoles, à des dieux faits de main d'homme. Combien de fois il s'est attaché à des pratiques que Dieu réprouve. Je répète, je voudrais lire encore ces versets que nous avons lus, du moins quelques-uns dans Juges chapitre 6, verset 1er. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel les livra
entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. C'est à cause de Madian que les Israélites se firent des tranchées dans les montagnes, les cavernes et des fortifications. Verset 6. Israël fut très appauvri par la main de Madian. Et Israël crièrent, les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Et cet homme leur apporta un message qui consiste à leur rappeler qui est ce Dieu qu'ils prétendent adorer et qu'est-ce que ce Dieu a fait pour eux. Oui, Israël n'a pas forcément oublié ce Dieu-là. Il ne l'a pas forcément oublié, non. Mais il a ajouté à Dieu combien de faux dieux, combien d'idoles des nations qui l'entourent. Dans Deutéronome au chapitre 10 et au verset 12, il est dit, c'est Dieu qui parle. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Ce que demande l'Éternel de toi, c'est que tu le craignes. Qu'est-ce que cela veut dire, le craindre? Cela veut-il dire d'avoir peur? D'avoir peur de lui? Non, telle n'est pas la pensée. C'est de le respecter. De respecter ses commandements et ses lois. Pourquoi? Si nous violons ses commandements et ses lois, le jugement tombera sur nous. Alors, il y a la crainte du jugement, c'est vrai. Mais envers lui, il y a le respect de ses lois et de ses commandements. Tout ce qu'il demande de toi, c'est que tu le craignes, afin de marcher. Le craindre, c'est quoi? C'est de lui obéir, c'est de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de le servir, lui, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Ce n'est pas qu'Israël ignorait. Il avait la connaissance. Ce n'était pas comme les peuples païens, les Assyriens, les Phéniciens et tous ces peuples nombreux païens qui adorent une multitude de dieux. Ils ne connaissaient pas le Dieu unique. Ils avaient un besoin en eux de croire en quelque chose. Ils avaient un besoin en eux de s'appuyer sur quelque chose. C'est pour cela qu'ils se sont fabriqués toutes sortes de dieux et qu'ils ont cherché des manifestations surnaturelles. Mais ils l'ont cherché dans des faux dieux et dans les sciences occultes, s'il vous plaît. Et là-haut, montez un peu, sœur, en voix ici, je me fatigue la voix. Mais Israël a méprisé les paroles de l'Éternel, son Dieu, en voulant faire un mélange inacceptable. Israël s'est laissé influencer par son entourage. Au lieu qu'eux influencent les autres, ils se sont laissés influencer par son entourage. Il a méprisé les paroles de Dieu en voulant faire un mélange inacceptable. Ils vont toujours à travers les rites du culte mosaïque enseigné par la loi inspirée de Dieu. Mais leur cœur n'y est plus. Et ils y ont mélangé les divinités païennes. Ils se donnent à l'invocation des esprits des morts.
Il prie les esprits des morts et toutes sortes d'abominations des peuples païens qui les entourent. Il vénère les dieux de l'Égypte. Nous l'avons vu déjà dans l'Exode, lorsqu'ils étaient dans le désert, le veau d'or. Ce n'est rien d'autre qu'une transposition du dieu Apis des Égyptiens. Il vénère les dieux phéniciens, les Baals, Astarté, sur toutes les collines, les montagnes ou les arbres verts. Ils ont des autels, ils ont des images, ils ont des prêtres qui sacrifient à ces dieux. Ce sont des dieux de prostitution, de débauche sexuelle. Nous ne faisons pas mieux de nos jours. Les Baals, ils sont toujours au milieu de nous. Les Astartés sont toujours au milieu de nous. Cet esprit satanique est toujours au milieu de nous. Sachez une chose, derrière toute statue, quelle qu'elle soit, derrière toute forme de divinité que nous avons fabriquée de nos propres mains, toute forme humaine devant laquelle nous nous agenouillons, il y a un démon. Il y a une puissance satanique. Nous pouvons donner n'importe quel nom à cette statue. Nous pouvons l'appeler un saint et que sais-je encore. Sachez qu'il y a un démon. C'est pourquoi Dieu l'a interdit. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune représentation quelconque des choses qui sont en bas sur la terre ou qui sont en haut dans le ciel, ou qui sont en dessous de la surface de la terre. Et tu ne te prosterneras pas devant elle. N'est-ce pas une chose navrante de voir qu'aujourd'hui, à notre époque où nous nous disons éclairés, des hommes et des femmes se prosternent devant des statues pour présenter leur requête, quelle qu'elle soit. Leur requête, combien dans les maisons des hommes et des femmes n'ont pas ce faux Dieu quelque part. Et ils y brûlent un cierge, une bougie, que sais-je encore. Ils y mettent des fleurs au carrefour des routes, sur les montagnes. N'est-ce pas le Dieu Baal que nous adorons? Le Dieu Baal, s'il y avait vraiment le Dieu vivant dans ces pratiques-là, mes frères, comment se fait-il que notre civilisation chrétienne tombe dans les aberrations sexuelles telles qu'elles tombent aujourd'hui? Comment se fait-il que la moralité soit descendue si bas, si bas, et que ces hommes même, entre hommes, veulent un mariage béni par un soi-disant homme de Dieu? Entre hommes ou entre femmes, ne sommes-nous pas arrivés à la plénitude de l'aberration, de la sottise, de l'impureté, est prêt à être jugé? Nous savons que les dieux Baal avaient comme pratique la prostitution dite sacrée. Nous savons que les dieux de la Grèce ancienne avaient pour pratique la prostitution dite sacrée dans les temples. Et nous, dans notre christianisme, nous ne sommes pas meilleurs. Si nous étions meilleurs, le monde dit chrétien ne serait pas à une décadence telle qu'elle est aujourd'hui. Telle qu'il est aujourd'hui. Notre civilisation est en complète déchéance. Et même la conscience est complètement faussée. Les nouvelles générations qui se lèvent ont perdu le sens des valeurs. Pourquoi? Parce que ces sens des valeurs ne leur sont pas communiqués dès leur enfance avec papa et maman. Il y a une déviation dans notre civilisation dite chrétienne. Je ne parle pas du peuple païen, mais je parle de ce peuple qui prétend connaître Dieu comme Israël et qui devrait être un exemple. Je parle à ces hommes qui se disent chrétiens et qui tombent dans des aberrations honteuses au point de vue sexuel,
avec des déviations de tout genre qui amènent d'autres péchés et qui détruit la civilisation, qui amène la violence, qui amène la haine, qui amène le déchirement, qui amène la misère. Allons-nous nous réveiller, s'il vous plaît? Allons-nous nous réveiller et faire une différence? Quand je vois que même dans l'Église, on commence à adopter ces choses-là, dans l'Église, on commence à les excuser. Pourquoi? Parce que monsieur le pasteur lui-même a plusieurs femmes, parce que monsieur le pasteur lui-même commet adultère, et en même temps, il met enceinte deux ou trois filles de l'Église, parce que monsieur le pasteur lui-même est plein de péchés, et il prétend prêcher la parole de Dieu, et il se prétend être un homme de Dieu. Blasphème! Blasphème! Nous devons revenir au principe de la parole de Dieu. Il est bien de parler de la gloire qui vient. Il est bien de parler de la félicité et de réjouissance, et qu'on puisse se réjouir, n'est-ce pas, du salut. C'est vrai. Mes frères, nous devons couper la plaie. Il faut opérer. Il faut ôter le pus. Il y a une infection dans l'Église, dans l'Église, dans l'Église, dans ce peuple qui se prétend chrétien. Une infection qui est en train de détruire le corps par une septicémie générale. Qui va réagir? Qui va crier? Qui va appeler les hommes et les femmes qui se disent chrétiens à un changement de comportement et à un changement de vie? Qui? Le Dieu de la Bible, qui a puni son peuple, qui a envoyé des armées étrangères pour le punir, pour le détruire. Le Dieu de la Bible, qui a réduit Jérusalem en cendres, qui a déporté le peuple, son peuple qu'il aimait. Ce Dieu de la Bible, c'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. Aurait-il changé? Serait-il plus clément envers nous, à notre époque, qu'envers l'époque des Israélites? Oui, il est patient, mais avec mon Dieu, il n'y a pas d'impunité. Sachez-le, et il connaît le cœur et les secrets de chacun. Moi, je parle, mais je ne vous connais pas. Je ne sais pas ce que vous faites. Moi, je parle, ma voix s'envoie, s'en va sur les ondes, de quelque façon que ce soit. Et je ne connais personne et je ne peux juger personne, car je ne suis qu'un homme. Je ne suis qu'un homme qui a besoin de la grâce de Dieu. Mais, frères, sœurs, cette parole que je vous annonce, elle ne vient pas de moi. Elle vient de celui qui a miséricorde et compassion et qui veut sauver. Il ne veut pas détruire. Pourquoi résister? Pourquoi le rejeter? Pourquoi continuer sa vie de désordre jusqu'à quand? Nous voyons aujourd'hui des hommes qui autrefois ont occupé des places importantes, et lorsqu'ils étaient là, ils ont détourné de l'argent qui n'était pas à eux. Ils l'ont détourné de grosses sommes. Et puis voilà, ils ont passé par le crible, ils ont perdu le pouvoir, ils sont maintenant comme le plus commun des citoyens. Résultat, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, c'est vrai, nous avons besoin de Dieu. Ils se sont repentis. Ils se sont donné leur cœur au Seigneur. Mais quel est cet homme qui a magouillé autrefois, qui a violé et volé des millions de zaïres? Quel est cet homme qui a retourné cet argent qu'il a volé? Dites-moi un peu. S'il y en a, qu'on me le dise. Je suis fatigué d'entendre des témoignages d'hommes puissants, et quand ils ont parlé, il y en a d'autres qui me disent « Oui, je le connais, il occupait telle place, il a volé !»
Qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent? Je ne veux pas l'entendre. Voilà ce que j'ai entendu déjà plusieurs fois. Ce qu'il dit est bon, mais ce qu'il fait, et s'il a dépensé l'argent qu'il a volé, qu'est-ce qui empêche qu'il demande pardon, même à la nation, pour ces détournements qu'il a commis? Qu'il y ait un exemple, qu'il y ait un exemple. Notre pays a besoin d'exemples. Quel est l'homme qui a assez de courage? De courage pour réparer les fautes qu'il a faites. De courage pour ramener l'argent qu'il a volé, même s'il a déjà consommé la moitié, qu'il amène le reste. Qu'il vende cette maison qu'il a acquis. Qu'il a acquis par le détournement. Ici au Congo ou en Belgique. Ou en Afrique du Sud, ou que sais-je, qu'ils la vendent. Croyez-vous qu'il peut y avoir restauration de la nation sans balayer sa propre maison d'abord? Mais voilà, on adore des faux dieux. Quel dieu est-ce qu'on adore? Le dieu de l'argent. Le Dieu de l'argent, le Dieu. Le Dieu de la débauche, le Dieu des déviations sexuelles de tout genre. Oui, il faut en parler. La conscience parle. On veut se mettre en ordre avec Dieu. D'accord, mais pour être en ordre avec Dieu, il faut se mettre aussi en ordre avec ses frères. Je connais l'histoire d'un ouvrier quelque part en Europe. Cet homme qui travaillait volait des outils pour se composer ses propres outils afin que lorsqu'il sorte, il puisse avoir sa propre affaire. Et petit à petit, des outils disparaissent. Mais cet homme a entendu la parole de Dieu. Et la conscience a commencé à le toucher. À tel point qu'il a vu qu'il devait retourner ses outils à son patron. Mais il risquait de perdre sa place. C'était un combat en lui-même. Et pour finir, il s'est dit, peu importe, je préfère être en règle avec Dieu. Il a pris tous ses outils. Il est allé voir le patron, il a confessé son péché et il a dit, voilà, je vous ramène les outils et je vous demande pardon, j'ai abusé de votre confiance. Le patron était tellement touché, il lui a dit, merci, tu peux continuer ton travail. On ne perd jamais, jamais, lorsqu'on veut servir et mettre sa vie en règle devant Dieu. On ne perd pas, tu vas perdre peut-être cet argent qui n'est pas à toi de toute façon. Alors ce n'est pas une perte. Ce que tu as pris qui n'est pas à toi et que tu retournes à celui auquel tu l'as pris, ça ne peut pas être une perte parce que de toute façon ce n'est pas à toi. Dieu avait dit à Moïse avant sa mort, alors que Josué allait prendre la relève. Dans Deutéronome 31, 16 à 17. Voici que tu vas mourir. C'est Dieu qui lui dit ça à Moïse. Et ce peuple se lèvera et se prostituera avec les dieux étrangers du pays duquel, au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera. Il rompra mon alliance que j'ai conclue avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai, je leur cacherai ma face. Il sera dévoré. De nombreux malheurs et détresses l'atteindront. Voilà ce que Dieu a dit pour son propre peuple. Ne sommes-nous pas, nous, dans de nombreux malheurs
est dans la détresse, nous au Congo, je leur cacherai ma face. Ma colère ça sera contre lui. Je les abandonnerai. Dieu savait à l'avance ce qui se passerait. Mais il n'a pas abandonné. Et il s'est toujours réservé un reste d'hommes et de femmes fidèles par qui le message a été transmis avec intégrité et par qui la grâce s'est manifestée. Fais-tu partie de ce reste d'hommes et de femmes qui refusent de ployer le genou devant Baal, qui refusent de ployer le genou devant les faux dieux, de ployer les genoux devant le Dieu des plaisirs de la chair, qui refusent de ployer les genoux devant le Dieu de l'argent et des profits illicites. Dieu n'interdit pas que nous fassions un profit dans nos affaires, autrement comment est-ce que nous allions vivre et continuer dans nos affaires. Mais combien de fois nous entrons dans la magouille, dans le mensonge, soi-disant pour pouvoir gagner plus, avec des bénéfices exagérés. Quelle bénédiction est-ce que nous pouvons avoir? Dieu ne va pas nous aider. Dans Malachie au chapitre 2 et verset 14, il est dit: vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Ah ça, les paroles, on sait les faire. Hein? Les paroles, mille paroles, des prières, des nuits de prière. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Et vous dites, en quoi le fatiguons-nous? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Ah oui, notre attitude c'est celle-ci. Nous pensons que nous sommes bons parce que nous donnons des dîmes et de l'argent à l'Église. Et que nous sommes bons à ses yeux parce que nous faisons des bonnes œuvres, entre guillemets. Mais nos mauvaises œuvres dans la balance pèsent plus lourd. Nous voulons acheter le ciel par nos soi-disant bonnes œuvres. Mais Dieu ne s'achète pas. La grâce ne s'achète pas. Quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Tel est notre raisonnement en réalité. Et c'est en de tels hommes qui prendraient plaisir. Ah non. Dieu ne prend pas plaisir dans de tels personnages. Ou bien, où est le Dieu du jugement? C'est ce que beaucoup se disent aujourd'hui. Oh, mais ça dure depuis longtemps. Nous sommes au Congo. Ça dure depuis longtemps. Moi, je profite. Je suis intelligent. J'arrive à me débrouiller dans mes affaires. Autrement dit, je piétine l'autre. Je piétine le pauvre pour prendre le peu qu'il a. Du reste, l'argent que je prends et qui n'est pas à moi, je suis supposé de gérer au bénéfice des autres. Je le prends pour mon propre bénéfice, en appauvrissant l'autre. Quand j'entends que tous ceux qui soi-disant doivent nous protéger, qui parcourent nos rues avec des armes, quand je pense que leurs salaires, bien souvent, ne sont que 2000 francs, 4000 francs, et qu'encore on prélève je ne sais pas combien, plus de la moitié dessus. Je ne veux pas aller dans les détails, mais j'aimerais seulement le souligner. Il y en a qui s'engraissent
sur le dos des pauvres. Ils peuvent avoir une arme à la main, mais ils sont pauvres. Ils sont pauvres. Et cette arme devient très dangereuse dans leurs mains. Très dangereuse. Ils ont leurs femmes, ils ont leurs enfants. Ils ont besoin de s'acheter un pantalon, une chemise. Ils ont besoin, ils voudraient avoir un petit poste de radio, que sais-je. Tout le monde a ses fantaisies. Mais avec ces 2 000 ou ces 4 000 ou peut-être ces 10 000 francs, peut-il s'acheter grand-chose? Alors, il va forcer de temps à autre ici et là? Non! Est-ce normal? Tu profites, tu dépouilles le pauvre. Que dit l'Éternel, le Dieu des armées? Nous allons lire encore dans Ésaïe au chapitre 1er. À partir du verset 11. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de fouler mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. L'encens me fait horreur. Quant aux nouvelles lunes, au sabbat et aux assemblées, je ne puis voir le crime avec les solennités. Je hais vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand bien même vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Peut-être vous n'avez pas tué avec le couteau ou avec l'arme. Vous n'avez pas fait directement verser le sang. Mais indirectement, à cause de votre égoïsme, à cause de vos péchés, vous avez détruit l'autre. Il est affamé. Il veut manger. Pour cela, il va voler. Il va prendre ce qui ne lui appartient pas. La faim le ronge. Ses enfants sont à la maison. Les jeunes gens n'ont pas de travail. Ils s'énervent. Quelques-uns les excitent et ils s'en vont piller. Et le sang est versé. Qui est responsable? C'est toi qui voles le pauvre. C'est toi qui ne fais rien pour venir à son secours. C'est toi qui ne penses qu'à ton ventre. C'est toi, tes mains sont sales du sang de tes frères. Tu n'as jamais tué comme tel, non, mais indirectement. Tu le fais et tes mains sont couvertes de sang. Bien sûr, tu viens à l'église. Bien sûr, tu participes aux nuits de prière. Bien sûr, tu cries à Dieu. Bien sûr, tu dis, oh la paix, donne-nous la paix. Bien sûr, tu fais tout cela. Mais Dieu dit, je suis fatigué de tes actions religieuses, de tes sacrifices, de tes holocaustes, tout ce qui concerne le culte d'alors. Dieu dit, je n'en ai pas besoin. Je ne demande pas des rites morts de sang. Je ne demande pas des pratiques mécaniques. Je demande les cœurs. Je demande l'obéissance. Je demande la droiture. Je demande la justice. Je demande l'obéissance à mes commandements. Quand bien même vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous. Purifiez-vous. Voilà le conseil du Dieu vivant. Dieu n'a pas abandonné. Attention. Dieu n'a pas abandonné le Congo. Attention. Mais, gare à celui qui n'écoute pas son appel et ses conseils. Il dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien.
rechercher le droit, ramener l'oppresseur dans le bon chemin. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Ne lui prenez pas sa parcelle alors que vous avez des faux titres et qu'elle a des bons titres. Mais vous, vous êtes un puissant et vous avez l'argent, vous pouvez tout gagner avec l'argent. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez donc, plaidons. Plaidons, dit Dieu. Il ouvre la porte. Il ne condamne pas au premier abord. Et vous dites, Dieu ne punit pas. C'est vrai, pas encore. Venez donc et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme de la laine. Si vous, vous décidez pour l'obéissance, vous vous décidez, c'est la volonté personnelle. Et c'est pour cela que je prêche, pour réveiller votre volonté et que vous vous engagiez sur ce nouveau chemin. Si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ce pays est riche, ce pays produit, ce pays est béni. Dieu a fait sa part, mais maintenant il y a la faim, maintenant il y a les problèmes, maintenant il n'y a pas de salaire, maintenant il y a le désordre. Pourquoi? Notre faute à nous. Si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous refusez, si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par l'épée, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ça, c'est la parole de Dieu. Qu'avez-vous à dire? Dieu est fidèle dans toutes ses voies. Il demande à ceux qui l'ont choisi et reçu comme leur Dieu de se soumettre à ses lois, de se soumettre à ses commandements. Pourquoi notre Dieu aiderait-il des infidèles? Pourquoi aiderait-il des criminels? Pourquoi Dieu aiderait-il des hypocrites? Pourquoi Dieu aiderait-il des voleurs? Pourquoi Dieu aiderait-il des fornicateurs et des adultères? Pourquoi Dieu aiderait-il des corrompus et des menteurs? Tout simplement parce qu'ils se disent chrétiens, mais en Israël, ils pouvaient dire, nous sommes le peuple de Dieu. Mais qui a été jugé si sévèrement? Qui a été déporté dans les terres étrangères? Qui donc? La ville de qui a été rasée et passée par l'épée? Israël! Sachez qu'il y a des conséquences à la désobéissance. Dieu n'est pas prêt à aider ceux qui volontairement marchent dans la désobéissance, dans la violence, dans l'occultisme, dans la convoitise et dans toutes ces que nous avons nommé. Pourquoi dirait-il, aiderait-il ceux qui trafiquent avec les puissances occultes? Pourquoi? Laisse, si tu veux aller vers les puissances occultes, demande-leur de te secourir, demande-leur de te donner la vie. Peut-être que pour te séduire dans un premier temps, ils vont te donner ces puissances occultes, des choses que tu désires, mais des choses périssables qui vont passer comme la poussière qui est soulevée par le vent. Il secourt, mon Dieu, il secourt ceux qui se confient en lui. Il secourt ceux qui lui obéissent, ceux qui acceptent et vivent selon ses commandements. Quant aux autres, les sépulcres blanchis,
Comme disait Jésus aux faux religieux de son temps, ceux-là, il les abandonne et ses jugements tombent sur eux. Dans le psaume 37, verset 9, il est dit, « Ceux qui font le mal seront retranchés. Ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. » Aujourd'hui, tous ceux qui veulent marcher droitement, on se moque d'eux. On les écarte. On ne le veut pas. On les évite. Ils n'ont point d'avancement. Personne ne les reconnaît. On dit qu'ils sont fous. Et quand ils ont une place, on fait plein de mauvais rapports sur eux pour être éliminés parce qu'ils ne veulent pas profiter de la caisse qui est là à leur, sous leur responsabilité. Et un autre voudrait en profiter et en faire profiter ses amis. Alors on fait tout pour l'écarter. Ça va, faites ce que vous voulez. Mais sachez que mon Dieu est sur le trône et que c'est un Dieu de justice. De justice. Ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Tous les ans, en Israël, au moment des juges, tous les ans, là, une multitude de pillards arrivait du désert sur des chameaux pour piller Israël de tout ce qu'il avait et de tout ce qu'il produisait, tout ce qui avait de la valeur, les Madianites, en grand nombre, les Amalekites, et les Bédouins de l'Orient, une multitude, personne ne peut leur résister. Ce ne sont pas des guerriers comme tels, mais ce sont des pillards qui vivent au crochet des autres. Dieu a laissé faire. Tu m'abandonnes, je ne te protège plus. Voilà. Tu ne veux pas m'écouter, va ton propre chemin. Tu es libre. Mais sache que tu n'as plus ma protection. Je ne te suis pas dans les chemins des Baals, des Astartés, des faux dieux, des dieux de la chair. Tu peux te dire chrétien, tu peux aller tous les dimanches à l'église, tu peux donner de l'argent, mais ceci n'achète pas les faveurs de Dieu. Ces faveurs sont pour ceux qui le craignent. Et il nous est dit dans Juges 6, 4, il détruisait les productions du pays, jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très appauvri par Madian. Pour échapper à Madian, pour pouvoir survivre malgré tout, ils doivent se creuser des trous dans la montagne, dans lesquels ils cachent une partie de leur récolte. Autrement, comment vont-ils vivre? Ils se cachent dans les cavernes de la terre, dans les crevasses des rochers, dans des fortifications. Dès que cette multitude de chameaux et de pillards arrive par centaines de milliers, chacun se réfugie dans son trou, dans la montagne. Est-ce que c'est là le peuple de Dieu? Vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. À qui notre Dieu dit-il cela? Il le dit à ceux qui marchent en intégrité avec lui. Nous aimons utiliser ces versets. Nous aimons les mettre en avant. Mais nous ne parlons pas des exigences de Dieu pour avoir ses faveurs. Plus que vainqueur, pour qui? Pour celui qui marche dans la vérité et dans la lumière. Je te protégerai. Ne tremble point, car je suis avec toi. Il est avec qui? Avec ceux qui le craignent. Avec ceux qui marchent avec lui. Ceux-ci passent, marchent d'un pas assuré. Et ils ont leurs yeux en avant, vers la gloire à venir.
Ses promesses sont pour son peuple qui marche dans la vérité. Dieu n'a pas besoin d'une religion. Ce que Dieu veut, c'est nos cœurs. Pour échapper à Madian, les Israélites doivent se creuser des trous, doivent se creuser des caches dans la montagne et se cacher dans des cavernes, dans des crevasses, dans des fortifications. Ils dissimulent une partie de leur récolte afin de pouvoir subsister. C'est alors que dans la septième année, 7 ans, dans la septième année de cette atroce situation, ils commencèrent enfin à réfléchir. À réfléchir. Combien nous sommes lents, lents à réfléchir. Il faut la souffrance pour nous ramener à Dieu. Et ils décidèrent alors de crier à l'Éternel. Donc, ils le connaissent. Ce n'est pas des gens ignorants. Ils ne sont pas comme les païens. Ils le connaissent. Ils l'ont abandonné pendant plusieurs années. Ils ont servi des faux dieux. Avant ces 7 ans, les conséquences, c'est que Dieu les a abandonnés et qu'ils étaient pillés pendant 7 ans. Mais il a fallu 7 ans pour qu'ils se souviennent de ce qu'ils savaient. Cette année, et ils crièrent à l'Éternel, leur Dieu, pour l'implorer et implorer son secours. Israël est impuissant à cause de son péché. L'alliance est rompue, l'apostasie est dans le pays, l'incrédulité. Dans sa souffrance, Israël se souvient de son Dieu, du Dieu de leur père. Les faux dieux se sont prouvés impuissants. Les Baals, les Astartés, ils se sont trouvés impuissants pour les délivrer. Mais pour comprendre cela, il a fallu 7 années. Enfin, ils réfléchissaient, ils implorent leur Dieu. Ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel répondit, « Oh, écoutez, c'est un Dieu de patience, un Dieu de longanimité, un Dieu qui parle et parle encore, qui n'abandonne pas. Et quand on crie à lui, alors, il a compassion. Il entendit leurs prières et leur envoya un messager, un prophète de sa part. Nous ne connaissons pas son nom, la Bible ne nous le dit pas. Mais c'est un homme que Dieu avait mis à part, qui n'a pas ployé le genou devant les Baals. Il y a un reste caché dans la masse. Et Dieu l'a inspiré et lui a dit, « Va auprès de mon peuple. » Et il les met en face de leur responsabilité afin qu'ils soient conscients de la raison de leur misère. Ça ne sert à rien de les délivrer comme cela sur parole. Non. Ils doivent savoir pourquoi ils sont dans cette misère. Car ce n'est pas la faute de Dieu qu'ils soient dans la misère. Ce n'est pas la faute de Dieu. Lisons ensemble dans le livre du prophète Amos. Amos au chapitre 5, au verset 10. 5, à partir du verset 10. Il est écrit, « Ils haïssent celui qui les reprend à la porte, et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Aussi parce que vous avez foulé l'indigent, vous l'avez foulé, vous l'avez méprisé, vous l'avez rejeté, et que vous avez pris de lui du blé en présent, vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin, car je le sais, vos crimes sont nombreux. Je le sais, dit Dieu, vos crimes sont nombreux et vos péchés énormes. Vous opprimez le juste, vous le rançonnez, et vous, à la porte,
vous invincez le pauvre. Voilà pourquoi, en des temps comme ceci, l'homme intelligent se tait. Il ne peut même plus parler. L'homme intelligent se tait, car ses temps sont mauvais. Recherchez le bien, non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal, aimez le bien, faites régner à la porte le droit. Peut-être, peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié. Oui, pourquoi? Pour qu'il ait pitié. Il y a une reconnaissance de sa souveraineté. Il y a une repentance nécessaire. Il y a un retour à lui. Alors peut-être, la décision dépend de toi. Tu veux que Dieu bénisse le pays? La décision dépend de toi. Tu veux la prospérité? La décision dépend de toi. Tu veux l'ordre et la paix? La décision dépend de toi. Reviens à l'Éternel. Les temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal. Vous voyez dans ces passages que nous avons lus dans Ésaïe et dans Amos, il y a la dénonciation des œuvres mauvaises, mais il y a le conseil qui suit. Écoutez le conseil. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous. Car maintenant, il n'est pas avec vous. Qu'il soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal, aimez le bien, faites régner le droit. Peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié. Sachant que nous sommes les premiers responsables de notre misère. La responsabilité de notre misère ne repose pas sur tel pays étranger ou tel autre pays étranger. La responsabilité de notre misère ne repose pas sur les décideurs de la nation. La responsabilité de notre misère repose sur chaque individu à son propre niveau. Car si nous servions l'Éternel de vérité et d'amour, l'Éternel, pour lui obéir, nous ne serions pas arrivés à une telle déchéance, misère, pauvreté, qui fait de nous des mendiants, qui nous fait perdre toute dignité. L'ivrognerie nous détruit, la drogue nous détruit, le sexe illicite nous détruit, la convoitise nous détruit, la jalousie nous détruit, la paresse nous détruit, le gain facile nous détruit, la rapine, et la cupidité nous détruit, et tant d'autres choses ne font que de nous appauvrir par notre propre faute. Nous sommes responsables, chaque individu, à son niveau, de notre déchéance, de notre Congo. Dans le Proverbe 23-21, il est dit, « Ivrogne, l'ivrogne est celui qui fait des excès, s'appauvrissant, et l'assoupissement fait porter des haillons. » Proverbe 28-19, « Celui qui cultive son sol est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des futilités est rassasié de pauvreté. Combien de jeunes hommes que nous voyons dans nos villes et dans nos familles qui ne font rien? Ils attendent que la nourriture tombe sur la table. J'ai pas de travail. Il n'y a pas de travail. Paresseux! Le travail secret! On n'attend pas qu'il vous tombe dessus. Le travail secret, tu as une intelligence, tu as des bras, tu as la jeunesse, tu as la santé, tu as l'enthousiasme. Alors,
Les terres sont vastes autour de nous. Ah oui, mais moi j'ai un diplôme de. J'ai fait une maîtrise de. Ce que tu veux, c'est une belle chemise avec une belle cravate, un costume et un bic à la main. Le pays a besoin d'ouvriers. Le pays a besoin de bras. Le pays a besoin d'initiative. Tu as étudié, c'est bien. Ce que tu feras sera bien parce que tu sais comment le faire. Alors, n'attends pas d'avoir une place avec un bic à la main, un beau costume. Mets-toi au travail, paresseux. La cupidité et l'avarice engendrent la pauvreté. Proverbe 11, 24. Tel fait des largesses et il devient plus riche. Tel qui épargne à l'excès ne fait que de s'appauvrir. Tu comprends? Tu gagnes, tu as beaucoup d'argent, fais-en profiter l'autre et aide-le à faire comme toi. Le Dieu de miséricorde envoie ses messagers. Il envoie ses serviteurs, il envoie ses esclaves pour rappeler à la repentance, pour rappeler aux rebelles qui il est. Il avertit et il appelle à revenir à lui. Il est prêt à pardonner. Pour cela, il envoie ses messagers afin d'avertir, afin d'enseigner, afin d'exhorter, afin de reprendre, apportant son message afin que le pécheur revienne à lui. C'est l'amour du Dieu vivant qui appelle pour qu'il y ait repentance, pardon possible, changement, réhabilitation. Le pardon est donné qu'à celui qui se repent. Sans repentance, il n'y a pas de pardon. Cet homme tombe sous la loi, toute la rigueur de la loi de Dieu. Vous pouvez échapper à la loi des hommes, mais pas à celle de Dieu. Repentez-vous, réparez, soyez pardonnés et vous vivrez. Ta parole est la vérité, Seigneur. Ô mon Dieu, aide-nous à comprendre. Seigneur, je sais que ces paroles sont certainement...